Et bonjour à tous et bienvenue sur Total War Saga 3. Ici Féa, nous allons continuer une campagne avec Pensacilée et les Amazones. La dernière fois, je vous avais laissé à l'aube de ce que je pensais être une bataille, mais il ne m'a pas attaqué. Il a préféré prendre de l'attrition. Donc on va pouvoir continuer le siège à Eukali. On a Melibé qui essaie de protéger ton Blackmail avec un groupement d'armées. Mais nous, notre cible, si on le peut, sera Sion. Avec quand même une sacrée armée. Ce serait plutôt pour Pensacilée en fait. Un gros morceau comme ça. Je vais voir. Puisque je voulais également attaquer tout de suite avec Pensacilée, Pharsal, pour prendre l'or. Je m'embête même pas avec le Minotaur, je défonce les murailles. Bon, j'enregistre quand même au cas où. Et c'est une victoire décisive qui a mis un peu de dégâts, mais avec la régénération que j'ai, je m'en moque royalement. Et je vais pouvoir augmenter ma gloire. Prendre max ressources. Tu es rasé. Voilà. Et du coup, 1290 pièces d'or, c'est pas mal du tout. Du coup, Pensacilée va peut-être remonter vers Cranon. Et puis, quand elle aura fini notre mistinguette là-bas, va descendre sur Ktimen. Là, comme ça, elle va pouvoir essayer de s'occuper de Sion pendant que elle va essayer de... Elle pourrait pouler cette armée. Mais pour ça, il faudrait qu'elle ait le pack de sang. D'ailleurs, j'y pense, mais j'ai pas amélioré son pack de sang à elle. Et ça pourrait peut-être être intéressant. Certes, ça coûte, mais oh, des fils d'Arès, oh, le sang. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut totalement le coup. Faut juste que j'arrive à prendre un peu de puissance avec ces armées. Mais là, avec l'armée ici en renfort, c'est compliqué. Non, ce qu'on peut faire, par contre, c'est du bon vieux pillage. Pour le moment, je paye rien, mais... Mais après, on va espérer que oui. Et voilà. Il me dit que j'ai plein de messages. Pensacilée peut construire des bâtiments, certes. Plus de pillage. Un temple amélioré. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Les agents n'ont pas été déplacés, certes. Et ouais, constructif. Ok, ça marche. Bah non, toi t'es pas déplacé parce que t'es là pour embêter les gens. Avec un succès plus que mitigé. Bon, moi on a eu un succès là, mais... pas très efficace. Ça va être tellement tendu... Enfin bref. Bah on va passer le tour. Alors, regardons ce qu'ont fait les agents. Échec, échec. Tiens, une faction est détruite. Oh, bien. Bien, bien, bien tout ça. Yes, I will. Machin qui l'a fait. Chalot, c'était ma nourriture. Bon bah tu vas aller par là. Hein.
Il a détruit son armée. Donc on va pouvoir raser ça et choper du cuivre. Oui, c'est pas grand chose. raser, tuer, oui, je veux de la gloire. On va augmenter cette technologie. Très rapidement. Alors, toi t'as gagné un level. Attaque en mêlée toutes les unités, hein. Ça c'est bien vu le nombre de centaures que j'ai. Mais après, vu les javeliniers, c'est pas des vrais javeliniers. C'est pas des vrais archers non plus. Ça peut être rigolo ça. Je vais changer un peu, je vais peut-être prendre ça. Et ça c'est quoi ça? C'est moins 15 d'action et... Ouais, pour un mince local, ça c'est pas mal aussi. C'est pour traquer. Ok, ok. Donc, nous y voilà. On a une armée full. On peut peut-être la mettre en rien du tout. On a... J'ai une ville à détruire ici, mais apparemment, elle a été... prise. Donc, je crois qu'il ne reste plus grand-chose au nom de... Au nom d'Achille. Ou alors il aurait confédéré. Il a confédéré avec Sparte. Et oui. Et c'est pour ça qu'il a abandonné cette ville. Intéressant, intéressant. Ça fait moins d'argent au jeu. C'est cool. Bah écoute. Sparte est notre cible. On va y aller. Du coup, il a abandonné cette ville-là apparemment. Ah oui, enfin... Abandonné. Machin l'avait attaqué, quoi. Au cas où. Mais là, normalement, avec la troupe que j'ai... Il va se faire... massacrer. Ah, ou pas. On va peut-être la jouer, cette bataille. Voilà, sur la carte bataille. On va commencer, et puis... on va voir ce que ça donne, hein. J'ai du mal à y voir. Toi, tu vas... C'est ma cavalerie de furie qui va venir en soutien. Puis là aussi qu'il faut qu'il vienne en soutien. Allez go. Alors là j'ai des chars. Ah vous allez venir ici. Cavalerie et tout ça. Ça commence à bien les encercler. Cette technique marche plutôt bien. Le seul souci, c'est que là, il y a des archers un peu vénères, donc j'ai hâte que la cavalerie... Donc là, ils ont gardé quand même des piquiers en protection. Ça va être compliqué de les choper. Mais je vais essayer de jouer un peu aussi sur le côté terreur pour... essayer de très rapidement leur sauter dessus. Voilà, hop, maintenant on va foncer sur eux. Allez, go. Normalement, avec tout ça, il y a moyen que, avec la charge là, il... Regardez-moi le moral. Oui, ils font la terreur en même temps. Hop, une petite charge ici. Hop, on va pouvoir les sortir. Votre héroïne se fait attaquer. Ah bah oui, j'imagine. Ah, là c'est en déroute. Là c'est de la cavalerie. Faut, hop. On va envoyer les javeliniers. S'occuper de un de ces attendant que les archers fassent un petit tour comme ça, hop, là quand même ils ont eu particulièrement mal. Alors là c'est en train de se regrouper, j'ai envoyé juste une cavalerie et le char.
On dit que... Allez, go, c'est le moment ou jamais. Eux qui ont contourné, ils vont les écrabouiller. Tiens, j'ai un truc là, qu'est-ce qu'il fait? J'ai oublié, c'était quoi? Ah, déjà volinière. Ou alors elles sont fait courser. Allez savoir. Bon là, il n'y a plus de morale ici, donc... J'ai envie de dire, ça va bien tomber, non? Allez, viens en aide par là, toi. Alors. Non. Ah. On va les fixer, puis eux, ils vont charger... dans le tas. Voilà. Et hop, vous attendez que tout le monde soit là pour faire une belle charge. Normalement, le moral va exploser. Donc, piquer ou pas piquer. Ah, il faut peut-être attaquer ça un petit peu, de temps en temps. Et voilà. Une petite bataille qui était pas difficile. Hein. Je sais pas pourquoi l'IA est morte aussi. Comme des vieux caca. Il n'a pas dû gérer le manque de frontline. Allez, achevez-moi ça. On a massacrez-moi tout ce bon monde. Bien tiré, voilà. Le héros ennemi à ses côtés. Allez go, massacre-moi ces trucs là-bas. Toi, massacre-moi ça ici. Je veux du sang. Plus de sang. Allez, ils sont trois. Ça fait trois esclaves. Ou trois cadavres. Victoire décisive, tu m'étonnes. Terminé la bataille. J'ai rien perdu quoi. 17. L'autre m'a fait une grosse une grosse victoire bien violente. Et là, 17 quoi. Des fois, l'IA ne sait pas gérer les armées. Hop. Mais c'est quand même bien pratique d'avoir cette fonction. 5. Gloire. Gloire. Allez. Ça s'est massacré. Il est temps d'attaquer là-bas. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de trucs bizarres dans la zone. Je vois rien de bizarre. Allez. Bon. Bah, écoutez, j'ai envie de dire. Pas des personnes à tuer? 50. Ah, 60. Bon, échec. Toi, tu peux pas te déplacer plus parce que t'as déjà fait ton déplacement dans ce tour, c'est vrai. Toi non plus, bah écoutez, on va passer le tour. Apparemment, je vais pouvoir commencer à tout massacrer. En fait, on vient de sortir du ventre mou des espèces de terrain enlisé qui était entre la Thrace et la Macédoine. Mais maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, un peu de gloire, ça fait toujours plaisir.
Ouais, tu vas venir ici, t'as stocké un peu de ground bataille, hein, avec un peu de chance, ça va être suffisant. Du moins, je l'espère. Là, j'ai un groupe d'armée qui n'ont pas la puissance d'attaquer, enfin de battre elle ni elle. Même si on peut dire que son armée n'est pas tip top. Hop, pour passer au suivant. J'ai pas grand chose à faire dans ce tour, c'est un petit tour, donc on va vite le passer. Ah, j'ai un agent quelque part. Oui, là. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire cet agent? Je sais pas, empoisonner un puits. Allez, go. Succès. Bon bah. Ouais, pas le truc le plus probant de la Terre. Faut que je gaffe au niveau de la nourriture. Bon, c'est pas si mal. J'ai un qui est devenu léthargique. Bon, en même temps, il est resté dans l'armée. Alors, j'en suis où ici? J'en suis à améliorer ça, mais il me faudra de la croissance. Ils ont fui devant notre puissance. Toujours très agréable de voir ça. Je peux récupérer une colonie portuaire. Oui, bon, ça, c'est pas... Je sais pas ce que ça donne. Rien, j'imagine. Et là, une colonie qui donne rien non plus. Eh ben, écoute... On va les raser quand même. Hein. Hop. Hop, la cavalerie dans les ruelles de vos villes. Les murailles, ça protège bien contre les cavaliers. On leur avait pas dit. 8 pertes. Et puis, il y a tellement rien à prendre qu'on va prendre... Quoi qu'avec elle, j'aurais pu prendre de la croissance. Ah, réduction des coûts des armées, ça c'est bien. Et puis, on va massacrer civils là. Ils ont déjà été pillés par Aki, donc en fait, on finit le travail, c'est tout. Hop. On finit le travail de manière relativement propre. C'est la débandante du côté des Spartiates. Faveur d'Arès, intéressant. Zeus. Bien, 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 ça va être plutôt pas mal. Là, j'ai de la nourriture. Bien, bien, bien. C'est vrai que là, t'as Aki qui est vraiment... Non, c'est Agamemnon, là. Il faut pas que je confonde les lions. Ouais, tout est un peu entrechevêtré, mais de toute façon, c'est mes ennemis, donc je veux pas vraiment voir la différence. Donc c'est vraiment parfait, puis maintenant que je fais la paix avec Hector et que les relations vont mieux. Voilà quoi, on va pouvoir vraiment lui rouler dessus. Faut juste que j'arrive à prendre ce Sion. Et ça c'est dur. Très très dur. Alors, soit je passe par là. Alors, pour attaquer eux, il faudrait que je passe par là. Ou alors, soit je passerai par là, mais là, par moi, c'est vachement plus long que si je passais par là. Un, deux tours. Je vais peut-être pas le prendre maintenant, mais si je le prends pas maintenant... Allez, go. Empoisonne-moi tout ça. Succès total. Ça fait pas grand chose en dégâts, mais... toujours ça de gagner. Alors lui, il peut gagner... de nouvelles compétences. Pisteur. J'avais déjà pris. Elle, c'est... Lui, il devait courir vite pour faire de la vigilance. C'est bien ça. Du coup, tu vas avancer par là, peut-être. Voilà, voilà. Bon, j'espère qu'elle va suffire. C'est un peu juste.
Et s'il y a bien une horde que je veux pas perdre, c'est elle. On va faire une mission kamikaze, c'était peut-être pas une bonne idée. Embuscade, découverte, certes. Et la technologie va beaucoup plus vite maintenant qu'on peut se concentrer sur ça et non sur la croissance de nos hordes. Déplacement de nos armées. C'est ça que je voulais. Et du coup, je vais pouvoir normalement attaquer ça. Voilà. Et faire même une bataille nocturne pour éviter les renforts. Ce qui va me permettre de donner énormément de force. Mais je peux aussi prendre les renforts. Parce qu'au final, ils ont de la... Ah, une grande bataille. On peut tenter une grande bataille. Ouais, ça peut être sympa. On n'a pas fait des grandes batailles. Puis là, avec les fils d'Arès, ça va être une boucherie en face, normalement. Ils ont quoi? Quelques javeliniers ici? Ouais, ça, on va tout faire en une seule bataille. On y croit. Allez, on sauvegarde et on fait la bataille. Mais cette bataille, vous la verrez au prochain épisode. Bye bye les gens!